Arrêtez, je vous en supplie! Écoute, amigo, tu as le fric ou tu l'as pas? Si tu as pas le fric, t'es bon pour aller te faire mettre. Je ne l'ai pas. Enfin une réponse honnête. Je vous en supplie, non! Quand les poules auront des dents, me supplier sera peut-être utile. Mais d'ici là, tu peux t'accrocher. Et merde! Un instant. Oui! Oui, chérie? Je t'ai déjà dit de pas m'appeler quand je découpe la viande. Oui, comme je t'ai dit. 200 grammes de beurre et 300 ml de lait. Ok? C'est pour le gâteau au chocolat? Perfecto, ma belle. Je t'embrasse, je t'aime. Cogno de merda. Quoi encore? Oh, patronne? Non, je vous gueule pas dessus. Depuis quand? Très bien. Ça, c'est Roberto, tueur à gages, un tantinet déjanté. Mais cette histoire a déjà commencé. Commençons là où il faut. C'est la bonne? Ouais, t'inquiète. Tony et Jake, mes frères. Enfin, pour être exact, eux sont frères. Et ça, c'est moi, Alana. Pourquoi vous raconter notre histoire? Parce qu'on a réussi le meilleur coup depuis des siècles. Du trafic de pétrole. Je vais revenir avec. Comment tu vas faire pour pas te faire prendre? Je vais faire passer par petite dose. Avec quoi? Créto. Il faut que ce soit crédible. À toi de le faire croire aux autres. Lupo était celui qui nous a permis de faire passer du pétrole dans des bouteilles de soda. Comme ça, quand ils croiront que j'importe du colagoule, en fait, je ferai passer des tonnes de pétrole. Et les contrôleurs n'y verront que du feu. Merde. Du calme. Bonjour monsieur. Veuillez sortir du véhicule, s'il vous plaît. Il y a un problème? Simple contrôle. Vous pouvez m'ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Mais ça, qu'est-ce que c'est? Du coup, la goule. C'est pas cette boisson amère, ça? Comment vous faites pour en boire? L'habitude. Bon. Vous pouvez y aller, mais on n'abusez pas trop. Ouais, comptez sur nous. Sacrée idée, je suis ton homme. Et on est les seuls sur le marché? Oh que non. Bon, on va passer le pétrole à un de mes contacts dans une station-service. Il va casser les prix, il va le vendre moins cher, du coup tout le monde se ruera chez lui, il nous passe les bénéfices, ni vu ni connu. Ils avaient tout préparé, tout calculé. Le souci, c'est qu'on ignorait que la raffinerie à qui on était lié, par le contact de la station-service, était en fait une raffinerie contrôlée par la mafia. Alors bien sûr, on leur payait le travail. Mais tout ce pétrole qui transitait, ça les faisait rêver. Et ils ont décidé de venir nous piquer la recette. Putain des pougnettes, hein. Où est mon putain de fric? C'est pas moi qui l'ai, patronne. Oh mais ça, je le sais bien, Roberto. Écoutez... Non, c'est toi qui vas m'écouter, cabronne. Ces enflures de merde arrivent à se procurer plus de pétrole qu'il n'est permis d'en rêver. Alors tu vas bouger ton cul et tu vas me les ramener. Car je veux savoir comment ils font. Sinon, je vais devoir appeler Serena. Je vois que tu m'as compris. C'est clair. Signorita Agata? Monsieur Roberto? Qu'est-ce que tu me veux encore? On passe ton là avec moi. Je veux que tu me retrouves des gars. J'ai raccroché. Qui? Je fais plus ce truc pour toi. Pour qui? Trop vieille pour ces conneries. Trop. Que merde. Eda va me tuer. Mais je sais qui me remplace. Realmente? Oui, réellement. Qui est Nacelle? C'est Steven. L'hombre de Aguas de la Mort? Oui, Roberto. L'homme des eaux de l'amour. Où il est? D'après ce qu'on m'a dit, il a pris des vacances en montagne. C'est le moment rêvé pour aller le voir, alors. Gracias, amiga.
Et j'espère que ce sera la dernière fois. Amigo? Oh, merde! Ah, Steven. Pourquoi tu cours? Alors que tu sais que je vais te clouer ta tronche de con au sol, hein? J'en sais rien, on m'a rien dit. Comment tu peux me dire ça, amigo? Je t'ai encore rien demandé. Putain, dis-moi! Où sont les enculés qui transitent des masses de pétrole à un prix ridicule? J'en sais rien, va chier! Oh. Tu veux jouer, Steven? Non, fais pas ça, j'en ai besoin. Ah, ça, j'en doute pas. Ok, ok, ce sont deux frères, Tony et Jake. Ils ont réussi à trouver une astuce pour importer du pétrole chez nous. Ça, je le sais déjà, cogno. Où je peux les trouver? J'en sais rien. Tu sais qu'ils existent, amigo. Mais tu sais pas où ils sont. Elena le sait. C'est Goro Kessi? Ouais, j'en suis sûr. Gracias. Cabron. Ah, espèce d'enculé! Amiga? On n'est plus amis, tu te souviens pas? Tu connais le frère, Tony et Jake? Va te faire mettre. Désolé, ma belle. Ça, c'est mon boulot, pas le tien. Je sais pas où ils sont, ça te va? Non, Ponieta. Ça me va pas. Et quand ça me va pas? Ah! Elena, faut toujours que tu rendes les choses compliquées. Tu m'as tiré dessus? Oui, c'était mon but. Je ne peux pas laisser les gens gâcher une banane impunément. Simple. Où sont-ils? J'ai dit simple. Ils sont à la gare. Avec tout le fric qu'ils pompent, ils sont pas foutus de se trouver un appart. Immeuble en face, paniche de merde. J'adore ta politesse. Dis bonjour à Jean de ma part. Va te faire mettre, Roberto. Ça, c'est mon boulot. N'oublie pas. On le savait pas encore, mais c'est à ce moment-là que cet enculé de Roberto nous a collé au cul. Bon alors, on va aller planter les tentes là-haut. Ah, le bonheur de la nature. Rien de mieux. Le bonheur de la nature ne va pas nous aider à porter les affaires. Hein. Ça va, j'arrive. Quelle beauté d'amigos. Y'a rien de pire que la rando. Jolie pugnetta. Je me demande lequel se met derrière. Voilà une putana d'idée. Nous avions passé un excellent week-end à la montagne. Notre meilleur depuis longtemps. Et peut-être le dernier. Rentrez bien les garçons. Toi aussi. Ça va, je suis à côté, ça devrait aller. Salut. Salut. Tu me montres ça pour me prouver que tu ne comprends pas ce que je te dis, Roberto. C'est elle. Tu m'as dit deux frères. Alors, à moins que les deux frères ne fassent qu'un et soient une femme, éclaire-moi. C'est un moyen de pression pour les faire parler. Est-ce que c'est ça que je t'ai demandé? Putana de cabron. Bien sûr que non. Et j'en fais quoi? Je la descends? Non. Maintenant qu'on l'a, on peut l'utiliser. Ramène-moi ces enculés. Bien. Vivant. Sinon, tu sais qui va venir. Ouais. Mais qu'est-ce que vous nous voulez? Le secret de votre combine pétrolière. Pugnetta. Je vais voir chez elle. Je vais interroger ses amis. Il faut faire vite.
Jake. Eh merde. Putain, mais t'es qui? Je suis Roberto. Et tu viens de faire une connerie, amigo. Tu me mets dans une belle merde. Où est Alana? Elle va bien, pour le moment. Mais qu'est-ce que vous nous voulez? Attends, à force de parler de merde. Oh, ça fait du bien. Oh, bordel. Ça doit être le trop plein de bananes. On veut le secret de votre combine, Jake. Quoi? Le pétrole? Eh oui, amigo. Vous nous faites passer pour des amateurs. Il y a bien une chose que l'on déteste. C'est de passer pour des amateurs. Alors dites-nous comment vous faites. Et on vous laissera tranquille. Espèce de connard! Vous passez pour des amateurs parce que c'est le cas. Jamais on vous révélera notre combine. Alors tu peux prendre ta question et te la foutre au cul. Ne me toque... Pardon. Ne me tente pas, Jake. Désolé, mais c'est trop tentant. Je sens que ça va foutre une sacrée merde, tout ça. Petit cadeau de la part de Robert. J'ai encore rien dit. Mais je suis déjà au courant, cogno. Il ne m'a pas laissé le choix. C'est toi qui ne me laisse pas le choix. J'allais le ramener. Serena, c'est Ida. J'ai besoin que tu me rendes un service. Qu'est-ce qui a pu merder? Bonjour. Bonjour. Je dois vous emmener quelque part. Ah bon? Mais vous êtes qui? Suivez-moi, je vais devoir employer la force. Ah ouais, tu le prends comme ça. Bah alors on va devoir employer la force. Suivez-moi. Pour qui vous travaillez? Je travaille pour Ida. Ida la mafieuse? Qu'est-ce qu'elle me veut cette connasse d'Ida? Connaître les secrets de votre combine pour vous fournir massivement en pétrole de manière illégale. Où est Alana? Je ne sais rien. Où est Ida? Va te faire foutre. C'est ça ou je te brise le cou. À l'entrepôt derrière la poste. Ok. Qu'est-ce que tu veux, petit con? Où est Alana? Tony? Où est-elle? Je présume que Serena n'a pas réussi à faire son boulot? Je lui ai brisé le cou! C'est la dernière fois que je pose la question! C'est pas moi qui l'ai! Menteuse! C'est mon homme de main, Roberto, qui l'a caché! Cette mouche à merde de Roberto! Roberto! Amigo? Démarre! C'est simple, dis-moi où est Alana! Écoute, amigo, on n'en serait pas là si vous nous aviez donné les secrets de votre combine merdique. Vous êtes jaloux, c'est ça? Les petits mafieux qui ont rien dans la tête? Sauf que nous, on en a, et je vois pas pourquoi on le partagerait avec des ramollis du bulbe comme vous. Tu veux que je te dise quelque chose? Si. Vous êtes pas tombé sur le bon gars. Ok. Demande à Ida, alors. Avec une balle dans le crâne, elle aura du mal à me dire quoi que ce soit. Mais avant de mourir, elle m'a dit que c'était toi qui détenais Alana. Quelle belle salope. Comme tu voudras. Cogne. Ah! Où est-elle? Cabron des merdes. Tu viens de gâcher une banane. Où est-elle? Va te faire mettre. Tu vois? Je comptais te le dire. Mais tu flingues ma banane. Et ça, je le pardonne pas.
Approche, hombre. Toujours rien à me dire. Cogne. Ok. Alana, ça va? Est-ce que ça a été le coup de trop? Peut-être bien. Depuis ce jour, on n'a plus fait de trafic de quoi que ce soit. La mort de Jake nous a servi de leçon. On est parti, loin de tout. On a eu d'autres idées plus légales. Et on se fait toujours pas mal de fric. Plus que ce qui manque de jugeote en tout cas. There must be some kind of way out of here.